Hola Internet, allez focus sur ma face. On est lundi aujourd'hui, c'est un petit peu une journée de congé, j'ai pas grand chose à faire, j'ai pris beaucoup d'avance sur mes montages de sous-écoute. Donc, je vais me concentrer aujourd'hui, peut-être faire un stream, vlogger beaucoup aussi, je vais peut-être me concentrer sur le vlog. Je vais vous montrer de quoi. Pour ça, il faut que je vous amène dans la chambre de bain. Cette caméra-là, c'est la Canon T5i. C'est la première caméra que je me suis payée pour le vlog. C'est vraiment une bonne caméra qui a fait la job pendant un bon petit bout. Sauf que, vous le voyez là, allez, fais ton focus. Et qu'il y a de la misère. Sauf que pour la fête des pères, j'ai décidé de me payer un petit cadeau à moi, de moi. En partie aussi à cause des vengeurs qui contribuent à mon podcast. J'ai décidé de me payer la T7i. C'est dans la même famille que la T5i que j'ai là. Sauf que l'autofocus là-dessus est supposé d'être beaucoup mieux que sur ma T5i. C'est ça qu'on va tester cette semaine. Donc à partir de maintenant, tout le vlog va être fait avec cette petite caméra-là, la T7i. Attention! Oh yeah! Là, on est sur la T7i. En termes de qualité d'image, ça devrait être pas mal la même affaire, sauf que toute la différence se trouve au niveau de l'autofocus, qui est beaucoup plus rapide selon les recherches que j'ai faites. Et puis, on va le tester tout de suite. Tu vois-tu mon visage? Mon visage? Déjà au focus. Oh yeah! Coucou! 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 Wow, c'est cool, ça fonctionne! Ça fonctionne super bien! Bon, ben on commence officiellement à vlogger avec la T7i. Et puis dans quelques semaines, je vous ferai un survol, je vous donnerai mes impressions de cette petite caméra-là. Vraiment content. Oh, en passant, ça veut aussi dire que ma T5i est à vendre. Vous avez juste à me contacter en privé. C'est vraiment une bonne caméra. Je l'ai bien aimée. J'ai passé 6 mois avec.
Et puis j'ai fait des belles affaires avec ça. L'autofocus va bien fonctionner si, admettons, t'es fixe, tout ça. Moi qui est toujours dans l'action, qui bouge tout le temps, qui recule, qui est tout le temps en train de virer la caméra de bord, c'est peut-être pas l'idéal. Mais quelqu'un qui vlog, qui est fixe, admettons, dans sa chambre, ou qui bouge juste un peu, ou qui est en studio sur un trépied, elle va faire une super belle job. Elle fait vraiment des belles images, vraiment... Je suis un petit peu triste de la laisser aller. Je suis vraiment attaché sentimentalement à cette petite caméra-là. Internet, on est mardi, je viens d'enregistrer un stream, j'ai jasé pendant 2 heures, j'étais super content, j'étais super fier de mon stream, je me révélais, je racontais plein d'histoires, vraiment je me racontais à cœur ouvert, sauf que ça enregistrait pas, fait que c'est 2 heures de perdu, puis là ben j'ai pas le temps d'en enregistrer un autre. Ah, parce que là, j'ai des projets, il faut que j'aille faire des courses pour ma blonde. On est en train de se faire un petit setup dehors. Un petit salon de jardin. Regardez, ce côté-là, il y a le barbecue, il va y avoir des affaires pour les plantes. Puis là, ici, ça, c'est mon ancien sofa. C'est mon ancien sofa qu'on a ramené, en fin de compte, puis qu'on va servir dans notre salon de jardin. Puis là, ben, je suis en train de prendre les mesures parce que c'est pas donné des coussins pour ça. Les coussins que je m'étais fait faire pour l'ancien appartement, c'était des coussins d'intérieur. C'est pas l'idéal pour l'extérieur. Fait que là, je cherche de quoi, pas trop cher, pour pouvoir mettre des coussins là-dessus. J'ai peut-être une petite idée de DIY. J'ai une idée en derrière de la tête. Je sais pas si ça va fonctionner, mais on va l'essayer. Netflix cette semaine, test, à la suggestion Netflix, t'es-tu focus? Oh yeah, oh, j'aime ça, t'es belle toi, tu fais des beaux focus, hein? Tu fais des beaux focus. Cette semaine à la suggestion Netflix, je vous parle du documentaire Glow, The Story of Gorgeous Women of Wrestling. C'est vraiment super bon, ça raconte l'histoire d'une ligue de lutte professionnelle féminine début des années 90 qui a été super populaire. C'est une ligue qui avait été créée pour attirer du monde dans un grand hôtel de Las Vegas et puis pour sauver des taxes. C'est un espèce de scheme, mais en fin de compte, c'est devenu tellement populaire que cette ligue-là a eu son show à la télé. Les lutteuses viennent nous raconter leur histoire. Il n'y a pas de grande tragédie, ça s'écoute super bien, c'est léger. Chacune d'elles nous raconte leur portion de l'histoire de cette ligue-là, nous raconte comment ils ont embarqué là-dedans, comment ils ont vécu ça. C'est vraiment bon, on s'attache au personnage et ça nous prépare à la série télé que Netflix sort le 23 juin qui raconte exactement cette histoire-là avec des comédiennes, avec Marc Maron. C'est léger, ça s'écoute super bien et c'est disponible sur Netflix. And you did.
passé, l'épisode du vlog, c'est l'épisode 27. C'est l'épisode dans lequel je renouais avec mon camion. Il est maintenant réparé, je suis super content. Mais c'est pas tout le monde qui a pu voir l'épisode parce que j'ai utilisé une chanson, une musique qui n'était pas libre de droit. J'ai utilisé Bad to the Bone de George Thorogood. Et puis ça a fait que l'épisode est pas disponible sur YouTube pour les appareils mobiles. Sauf que si t'es sur un appareil mobile et puis que tu vas sur mon site web, l'épisode est là, il est complet puis il est jouable. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Mais bon, c'est leur choix. La manière que ça se passe avec YouTube, c'est que oui, tu peux utiliser certaines chansons populaires, certaines chansons qui sont pas libres de droit. Sauf que c'est les tenants des droits qui décident ce qu'ils font avec la vidéo, c'est-à-dire qu'ils peuvent monétiser ta vidéo, ils peuvent en restreindre l'utilisation dans certains pays et puis sur certaines plateformes. Fait que là, le dernier épisode, si tu vas direct sur YouTube pour essayer de le faire jouer, il jouera pas, mais la même vidéo qui est intégrée dans mon site web va jouer. Si vous voulez voir le dernier épisode, il est sur mon site web, yannterriot.com. Il est super bon en plus de ça. C'est un des meilleurs épisodes que j'ai fait. Du moins l'intro, je suis tellement fier de mon intro. Petite visite éclair dans mon ancien appartement, dans mon ancien bloc. Les corridors qu'on a vus mille fois dans le vlog. Petite visite éclair parce que faut que j'aille voir dans l'appartement si tout est OK. On a peut-être trouvé quelqu'un à qui ça débaille. On va voir si tout est OK dans l'appartement. S'il n'y a pas rien qu'il faut que je récupère, c'est peut-être ma dernière visite dans cet appartement-là. Après ça, elle est contente. T'es contente, hein? C'était un peu notre hantise de ne pas être capable de céder le bail. J'ai encore un loyer à payer de mon bar, ma blonde de son bar. Là, on va pouvoir combiner les deux, ça va être plus facile, la vie va être plus facile pour tout le monde. Hein, mon amour? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Vegas! Dans cet appartement-là. J'ai plus rien. J'ai plus de raison d'y retourner. Fait qu'on va aller mettre les clés dans la petite boîte à mal de la concierge. Tellement passé par des bouts durs, surtout en amour, là, j'ai passé par des bouts durs. Puis je pensais pas ça possible, pouvoir retomber en amour. Puis je m'étais protégé contre ça aussi. Je m'étais armé contre ça. Il y en a beaucoup pour qui l'amour, c'est un sentiment qui annonce beaucoup de douleur, tu sais, qui annonce une douleur. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont tombés en amour, ça a pas fonctionné. C'était un amour impossible. L'autre personne, t'as pas, il y avait tout le temps une incompatibilité. Il y a eu de la trahison. En amour, quand tu tombes en amour, tu viens que tu développes. Si, à chaque fois que tu as un échec amoureux, ben, à un moment donné, là, quand tu es rendu à 40 ans, là, tu développes cette espèce de réflexe de penser que l'amour, c'est synonyme de souffrance. Tu sais, tu te dis, OK, là, c'est beau, mais tu sais, quand est-ce que ça va virer au vinaigre? C'est certain que je vais avoir de la peine de ça. Je vais, tu sais, fait que quand j'ai commencé avec ma blonde, j'avais tout le temps peur de la perdre. Je me disais, je vais en profiter de chaque minute parce que j'ai l'impression que ça va... Ah, café vrac! J'avais l'impression que ça allait se terminer
tu sais, ça va faire un an. Moi, ma blonde, ça va faire un an à la Saint... Ça, c'est le fun, ça. La Saint-Jean. La Saint-Jean, pour moi, là, ça a tout le temps été synonyme de chicane sur les réseaux sociaux, le monde qui se pogne, c'est la fête des péquistes. J'haïssais la Saint-Jean, j'haïssais la Saint-Jean. Puis là, ben, l'année passée, moi et ma blonde, c'est là que ça a connecté, c'était à la Saint-Jean. Notre première journée, c'était à la Saint-Jean. Pourtant, j'y croyais pas, tu sais. J'étais sur le bord de flusher mon application, là. Je laissais les applications là juste parce que je me disais, bon, ben, il va falloir que je passe à travers tout le trouble de désactiver, d'enlever mon compte. Pour, je veux plus qu'on me voit là. Puis d'un coup, hop, flip, puis il tombe sur cette personne-là. Je m'aperçois qu'elle reste à 5 minutes de marche. On se rencontre dans un petit parc. C'est l'amour. Fait que pour moi, la Saint-Jean, maintenant, c'est rendu synonyme d'amour. C'est plus la fête des péquistes, c'est la fête de l'amour pour moi. C'est ma Saint-Valentin. Le 24 juin, c'est ma Saint-Valentin. Test de son sans le micro. Test de son sans le micro. Test de son sans le micro. Maintenant, on va brancher le micro.
Ah, si, il était même pas ouvert.